Vidéo Super Bowl, comment Rihan, le selfie qui a volé la vedette à Justin Timberlake insolite lors de sa performance à la mi-temps du Super Bowl, Justin Timberlake s'est retrouvé dans l'objectif de Rihan McKenna, un jeune fan des Patriots. À l'arrivée, un selfie qui a déjà fait le tour du monde. Je n'allais pas avoir deux fois la même opportunité, alors j'ai foncé. Rihan, 13 ans, n'en revient toujours pas. Lors des ultimes secondes de son concert à la mi-temps du Super Bowl, Justin Timberlake a grimpé dans les tribunes du stade, chantant son tube Can't Stop the Feeling au milieu du public. Parmi les chanceux, un adolescent trop content de voir de près la superstar de la pop. Et qui n'a pas hésité un instant à dégainer son smartphone pour immortaliser l'instant. Au début, j'ai voulu faire un selfie et mon téléphone est tombé en panne, et puis il s'est rallumé, et j'ai pu faire une photo avec lui. C'était tellement cool. Je suis sans voix, a expliqué Rihan, originaire de Scituate, dans le Massachusetts, au micro de la chaîne ABC qui retransmettait l'événement, suivi par plus de 100 millions de téléspectateurs à travers le monde. Dès les secondes qui ont suivi cette rencontre inattendue, le téléphone de Rihan s'est retrouvé assailli d'appels et de SMS. Tous les gens dans ma rangée me disaient que j'étais partout sur Twitter, raconte le gamin dont le cliché de Justin Timberlake, le doigt pointé vers l'objectif, n'en finit plus d'être partagé. Ne parlons même pas de l'appareil dentaire de l'adolescent, source de détournements innombrables sur les réseaux sociaux. Une incroyable expérience qui a dû consoler Rihan, dont l'équipe des New England Patriots a perdu la finale du Super Bowl face aux Philadelphia Eagles, Jérôme Vermeulen mit à jour, créé